Et salut tout le monde. Bonjour à tous. On espère que vous allez bien. Nous, on a la grande forme. Comme vous pouvez le voir, on est de retour dans le van, ça y est. Ça nous a pris beaucoup de temps. Ouais, et c'est aussi pour ça que ça fait un moment que vous n'avez pas vu de vidéo sur cette chaîne, mais ça y est, on est de retour et c'est promis, les vidéos vont arriver au fur et à mesure. Ça nous manquait. C'est ça. Mais on est tellement heureux de revivre à l'intérieur de Néovent. En tout cas, pour cette vidéo, on vous emmène voir Sylvain et Chloé que vous avez déjà vu sur notre chaîne. On avait fait leur van tour. On vous met le lien juste ici. Ou en bas. Et là, on vous emmène voir leur terrain en pleine nature dans le Lot. Mais avant ça, on a eu un partenariat avec une marque que j'affectionnais déjà particulièrement avant, c'est Olight. Ils font des lampes de poche et des couteaux aussi. C'est vraiment un produit génial. Franchement, moi j'avais acheté ça parce que c'est de la qualité et puis ils nous ont proposé un partenariat pour tester leur nouveau produit, c'est la Warrior X3. Donc en fait, c'est l'évolution de la Warrior X que j'ai ici. Et s'ils nous ont proposé ce partenariat, c'est déjà parce qu'ils savaient que Kim aimait beaucoup leur marque et aussi à l'occasion du Black Friday, donc qui va avoir lieu chez eux du 24, donc ce soir à 20h jusqu'à dimanche soir. Il y a des remises exceptionnelles, on vous dit tout ça après le test. Là, on va vous montrer le contenu du petit paquet qu'ils nous ont envoyé. Il y a plein de trucs sympas, vous allez voir. Et on vous emmène faire un petit test de nuit pour que vous voyez la puissance de malade de ces lampes. On est parti pour l'unboxing et le test. Voilà, on se retrouve donc avec le packaging de la Warrior X3 de Olight. Elle est donnée pour une puissance maximum de 2500 lumens, ça éclaire vraiment bien, et pour une portée maximum de 560 mètres. Et voilà, on a la lampe, la nouvelle Olight Warrior X3, qui est franchement stylée. En plus, il y a une bague pour la maintenir comme ça quand on éclaire. Vous pouvez voir la LED à l'intérieur. Il y a des petits crans aussi pour justement briser une vitre en cas de besoin ou autre chose. Tout est bien graissé, c'est vraiment des bonnes finitions. Quand on ferme bien, c'est étanche parce qu'elle est IPX8. Donc elle est résistante à l'eau, elle peut aller sous l'eau. Je crois que c'est 1m50 de profondeur. Donc on va la tester. Donc on peut soit appuyer et relâcher, soit appuyer une fois et ça maintient la lumière. Ça, c'est le premier cran. Deuxième cran, là, ça éclaire vraiment, vraiment bien. Donc ça, on va les tester de nuit. Je vais vous montrer aussi qu'est-ce qu'il y a dans la boîte au niveau accessoire. On a le petit câble de recharge qui est vachement malin, vous allez voir. Donc, c'est un côté USB, ici, vous voyez. Et de l'autre côté, c'est magnétique, en fait. Donc, on le met ici au niveau de la lampe, ça s'accroche tout seul et ça charge tout simplement. Je vais vous montrer ça, on va brancher. Donc là, vous voyez, la petite LED est verte, ça veut dire que la lampe est complètement chargée. Vous voyez que sur celle-ci, j'ai besoin de batterie, la Warrior X Pro, l'ancienne que j'ai achetée. Donc là, la LED est rouge. Vous voyez que le système est compatible avec les anciennes lampes, donc c'est vraiment sympa. Et puis c'est super pratique, c'est super facile en fait. Dans la boîte également, si on ne veut pas garder cet anneau, on peut le remplacer avec une attache comme cela. Moi, sur les anciennes versions, c'est ce que j'ai mis. Je trouve ça vachement agréable à tenir en main aussi. Mais j'avoue que je suis pas mal fan de cette petite bague là qui permet de bien avoir la lampe en main. On est parti pour aller tester la Warrior X3 à l'extérieur de nuit. Donc on va voir ce que ça donne avec le premier niveau d'éclairage. Comme vous pouvez voir, là il y a Bernadette. Ça éclaire vraiment bien, vraiment. C'est le premier niveau. J'envoie niveau 2. Paf, comme en plein jour. C'est abusé. Un petit test encore, hop. Premier niveau. Deuxième niveau, c'est abusé comment on y voit trop bien. Tellement on y voit bien, sur le capteur, ça brûle. Ça fait une image. Là, sur l'arbre, ça fait trop blanc. C'est impressionnant. La lumière est plutôt blanche, plutôt bleue. Bleutée blanche, elle n'est pas jaune, ce qui est assez agréable. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment une focale au milieu. C'est beaucoup plus puissant, la lumière. Et puis, il y a une belle aura autour qui permet de voir quand on se déplace sur les côtés. Alors, c'est un peu plus accentué avec les yeux à la caméra, mais quand même ça rend super bien. Après, elle fait un petit peu de lumière comme ça à la fin. Une fois que la LED a bien chauffé, il y a une légère fluorescence qui s'atténue, ce qui peut être un peu gênant peut-être si on fait de la sécurité pour pas se faire voir. On peut toujours mettre sa main devant. Puis ça peut aider aussi pour dans le noir pour la retrouver si on la fait tomber ou quoi qu'elle s'éteint, ou pour la poser justement pour voir un petit peu où on la pose. Donc là, j'éclaire le sol pour marcher avec le premier niveau d'intensité de lumière. Et maintenant, je vais mettre le deuxième niveau. Ça déboîte tout. C'est impressionnant. Donc voilà, j'espère que vous avez pu constater à quel point ces lampes éclairent de fou. C'est assez incroyable de voir la visibilité qu'on a en pleine nuit. Et aussi, c'est des lampes vraiment de qualité. Elles sont résistantes, autant à l'eau, au choc. Elles sont puissantes, très 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 bonne finition. C'est vraiment des bons produits. Donc si vous avez besoin de lampes, n'hésitez pas. Pour la minute pub, c'est simple. Vous allez sur leur site, sur le lien qui est en description. Il y a entre 15 et 50% de réduction sur tout leur site. Si vous mettez le code promo VOYAGE10, on vous l'écrit juste là, vous aurez 10% supplémentaire excepté pour les produits déjà en promotion. Et si vous passez par notre lien, il y a ce petit cadeau.
C'est la i3e, c'est une petite lampe de poche qui éclaire quand même à 44 mètres de distance, donc elle est puissante. Et la Warrior X3, vous avez actuellement 35% de réduction dessus. Donc je pense que c'est une bonne affaire, c'est vraiment une bonne occasion, autant en profiter pendant le Black Friday. Et puis nous, si vous passez par notre lien, bah ça nous aide un petit peu à montrer que le partenariat fonctionne bien et c'est cool, ça, tout le monde est content. Et retrouvez-nous sur notre compte Instagram, Voyage à plein temps, tout simplement parce qu'on a réussi à négocier donc avec la marque Olight un petit concours rien que pour vous et on a deux produits de leur gamme à vous faire gagner. C'est top, on est super content d'organiser ce concours et on espère que ça vous plaira. Donc venez nous rejoindre sur Voyage à plein temps Instagram. Ça se passe sur le dernier post actuellement, vous verrez, c'est une image de Olight. C'est parti pour la vidéo. On vous laisse, on espère qu'on n'a pas pris trop de votre temps et c'est parti pour la vidéo. Arrivé sur le terrain après 6h30 de route, puisqu'on ne prend pas l'autoroute avec Néovent, nous découvrons un magnifique terrain. Un bout de terre de 4 hectares avec un petit ruisseau, du bois et un bel espace de prairie. Ils y ont installé une tente, leur habitation pour les belles saisons, car comme les oiseaux migrateurs, quand vient l'hiver, ils prennent la route. Nous avons garé nos véhicules presque côte à côte, nous étions contents de les retrouver et de découvrir leur lieu de vie. Les journées ont été rythmées de bricolage, de jeux de société, de bons repas entre amis, de rires aussi, d'une coupe de cheveux et de travail pour l'agence web que nous avons créée avec Sylvain et Chloé. Pour se chauffer dans la tente, car nous sommes tout de même en novembre, nous allons couper du bois. Un exercice que j'ai tant aimé que j'y suis retournée plusieurs fois. La toute puissance quand on a une tronçonneuse dans la main, vous connaissez ? Même Kim est venu tester. Et pour l'eau de la vaisselle et de la douche, nous allons la chercher directement au ruisseau et la faisons chauffer sur le poêle. Une vie comme on l'aime, simple et vraie. Je vous laisse maintenant avec Sylvain et Chloé qui vont nous faire découvrir leur petit chez-eux. Bah, d'avoir ce terrain, ça nous a permis de récupérer toutes les affaires qu'on avait un peu entreposées chez les parents, les potes... Pas dans ta gauche, et du coup, bah, c'est le garage, quoi. Et c'est ça dans les deux tentes, quoi. C'est un peu le bordel, mais on a pu récupérer tous nos outils. Bon, on se met là parce que c'est la seule partie presque plate du terrain, en vrai. Tout est très en pente, quand même. Ou tout en haut du terrain, on fera peut-être des terrasses après, on ne sait pas trop. Donc le camion, il nous sert de bureau ou de chambre. De générateurs électriques aussi au début. Le terrain, il fait 4 hectares en tout. On a 1 hectare de bois. Et on va dire, les années précédentes, en fait, l'ancien propriétaire a ratiboisé tout le bois quasiment. Donc il reste plus qu'un hectare maintenant. Il devait y en avoir au moins 2 de plus les années précédentes. Et tous les arbres qu'il a arrachés, il avait entreposé toutes les souches ici. Donc nous, quand on est arrivé il y a quelques mois, on voyait vraiment les souches. Là, on les voit plus. Il y a toutes les fougères qui ont poussé et tout. On trouvait ça crade. On avait envie de nettoyer ce truc-là. Bah en fait, du coup, c'est vraiment un nid de biodiversité, que ce soit la faune ou la flore. Il y a des lapins là-dedans, il y a plein de bestioles. Il y a plein d'arbres qui repoussent, en fait, on les voit maintenant. Un châtaignier derrière, il y a du bouleau là, peut-être. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que quand on a acheté le terrain, tout le monde nous a dit « Mais 4 hectares, enfin, l'entretien, ça va être épouvantable. » Ben non, en fait, on ne fait pas d'entretien, on laisse vivre sa vie, on le laisse sauvage. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on trace quelques petits chemins parmi les ronces et la végétation, histoire de pouvoir circuler un petit peu. Et en fait, toutes ces zones de fougères et de ronces, on a découvert au fil de nos recherches sur Internet que ça s'appelait, les ronces s'appellent le berceau des chênes. Et plus globalement, c'est vraiment que là où que la forêt repousse. Et en fait, cette zone-là, qui pour nous était un peu un dépotoir de bois, est redevenue progressivement, en l'espace de quelques mois, puisqu'on est là depuis début août, un vivier de repousse de plein d'arbres. Et sous 5 ans, finalement, toutes les ronces et les fougères disparaîtront progressivement pour laisser place à de très beaux arbres. Alors les premiers, ça va être les bouleaux, et progressivement, d'autres essences arriveront à partir de ce qui est resté dans ce vivier. La forêt reviendra tout doucement. Et je pense que c'est intéressant aussi, c'est qu'on voulait, on a fait toutes les démarches auprès d'une association qui s'appelle Cœur de Forêt, qui intervient dans le Lot, pour reboiser le terrain. On a fait des démarches avec eux, et à force de discussion, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas nécessité de faire les néo-ruraux qui veulent reboiser un terrain, parce qu'en fait, ce terrain était un bois, et redeviendra un bois par lui-même. Si on le laisse vivre sa vie, si on fait juste nos quelques petites zones, c'est-à-dire que nous, finalement, le terrain, la tente, un peu d'espace pour garer les camions, c'est le seul espace qu'on occupe sur ces 4 hectares, et tout le reste redeviendra bois progressivement, et on le laissera revivre tout doucement, quoi. En fin de compte, une des démarches qu'on avait quand on arrive sur le terrain,
en mode vraiment mi-sédentaire, mi-nomade. C'est quand on arrive sur le terrain, on peut retrouver un peu d'indépendance l'un par rapport à l'autre. Et l'idée, c'est que la tente, pendant l'été, peut être séparée de Poussin, c'est-à-dire que Poussin peut aller se balader. Il y en a un qui peut prendre Poussin, et en fait, l'électricité et Internet sont disponibles à la tente. Donc on a mis ce panneau solaire, on a récupéré les anciennes batteries du camion. C'est des grosses batteries, c'est des batteries gel, ça fait 440 ampères-heure. Dans le camion, on a mis des batteries un peu plus récentes. On a mis une batterie lithium, parce qu'on en avait besoin pour travailler. On a juste branché ces batteries de gel sur un panneau solaire de 400 watts et ça suffit parfaitement pour la tente, pour l'éclairage, pour un petit peu d'électricité en 220 volts pour pouvoir travailler, pour recharger tronçonneuse électrique et tous les appareils électriques qu'on a au quotidien. Sur un bout de bois qu'on a chopé dans la forêt, tout là-haut, il y a deux antennes qui viennent capter le signal 4G. On l'a aussi dirigé par là parce qu'on sait que l'antenne principale qui fournit la 4G est située dans cette direction. Et c'est récupéré sur un petit appareil qui nous renvoie du Wi-Fi. Et en plus de la 4G, alors on teste, on a une antenne Starlink. Donc on a une parabole qui est posée sur le terrain avec un long câble branché ici. Alors il faut qu'on fasse attention parce que Starlink, ça consomme quand même pas mal d'électricité. Donc on a une petite prise programmateur qui l'allume de 9h30 à 17h30 à peu près. Et qu'on éteint les jours où on ne travaille pas. 70% du temps, on travaille sur la 4G. Et dans le cas où on a suffisamment de soleil, on allume l'antenne Starlink qui en plus nous permet d'avoir un bon débit. Et qui du coup n'est pas limité. La particularité de la 4G, c'est qu'on est limité par nos forfaits. Et là, ici, on a accès à Starlink, qui en plus, avec le débit, nous permet largement de travailler. Donc c'est un premier test de cette antenne, qui a pour l'instant deux petits défauts. Trois, je dirais. Ça consomme beaucoup de courant. Il y a des coupures. Donc ça, quand on est en visio, c'est un peu, ça tape un peu. Et on peut pas bouger en France. Pour l'instant, le programme Starlink est cantonné à une adresse. Donc c'est vraiment un essai qu'on fait. L'antenne est quand même assez mastoc, une taille de paella sur les marchés à Oisem, à Lille. On ne sait pas encore si c'est vraiment quelque chose qu'on pourra emmener en camion, mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on n'a pas le droit de se déplacer avec l'antenne. On est cantonné à l'adresse d'acquisition. Pour l'instant, c'est un peu cher pour ce que ça apporte. C'est vraiment le début du programme en France. Et s'ils ont besoin d'autant d'électricité et d'autant de data, c'est tout simplement parce qu'on bosse ensemble. Peut-être que vous ne le savez pas, mais on travaille ensemble pour les webmakers. C'est Sylvain que vous venez de voir qui a créé cette entreprise et nous sommes la première agence nomade de France en création d'applis web et mobile et de création de sites internet également. On fait aussi plein d'autres choses. Enfin, tout ce qui est web, contactez-nous, vous pouvez nous écrire en commentaire. Alors c'est, là, pour le coup, c'est vraiment le coin temporaire de l'eau de boisson. On vient s'alimenter au village à peu près une fois par semaine. Et après, comme on a deux ruisseaux sur le terrain, on vient chercher l'eau pour la douche, les vaisselles. Et voilà, on vient simplement faire la vaisselle ici. Là, c'est les deux pichets qui nous permettent d'aller chercher de l'eau au ruisseau. Et quand on a besoin de la faire chauffer parce qu'il fait un peu froid, on a cette grande casserole pour où on fait chauffer l'eau sur le poêle. Alors à la base, ces tentes-là sont prévues pour être posé sur des structures en bois. Donc on doit construire une terrasse, c'est ce qui est prévu l'année prochaine. Je présente vite fait l'intérieur. Comme on est finalement début novembre, on a besoin d'un petit peu de chaleur. Donc on a trouvé ce poêle à bois sur une brocante qu'on a adapté avec un tuyau vers l'extérieur de la tente. Très très aéré, pas de risque d'intoxication au monoxyde de carbone. On estime qu'on n'utilise même pas 1% du bois mort disponible dans la forêt. Pas mal de matériel, donc des anciennes tables d'écolier qu'on a récupérées sur des différentes brocantes ici dans le Lot. Magnifique meuble d'ailleurs qu'on a fabriqué ensemble avec Marianne, avec quelques tasseaux. Des beaux meubles avec les autocollants des copains, avec le Coucou Liberté, le chat qui vole. D'ailleurs on attend l'autocollant Voyage à Pintemps et Webmakers. Une chambre. Alors il y a pas mal de moustiques sur ce terrain, donc la moustiquaire a quand même été assez vite nécessaire. Sur un matelas gonflable pour l'instant, on veut pouvoir le ranger pendant l'hiver. L'idée c'est que l'hiver on replie toutes nos affaires, qu'on laisse au terrain un peu d'air. On vient pas faire une construction au dur, de toute façon on n'en a pas le droit. Mais cette tente, quand on a fini, quand on part pour l'hiver, on range vraiment, on replie tout. Alors c'est un peu le bordel, c'est la définition des ateliers. Mais c'est ici qu'on a nos batteries, des matériaux de récup, notamment une vieille étagère. Et ici on a du coup quelques outils qui nous permettent de travailler sur le terrain, de bricoler une tronçonneuse sur batterie notamment, et une débroussailleuse. Alors tout l'intégralité des meubles, on les a achetés sur des brocantes, à part vite fait les étagères d'entrée de gamme. Alors c'est triste parce que c'est pas du bois du coin, mais au moins ça nous permettait de vite fait ranger quelques affaires. Ici c'est le meuble recharge, internet, et on a vraiment glané au fur et à mesure. Je crois qu'on se faisait 2-3 brocantes par dimanche dans tous les villages du coin pour aller chercher une table, une chaise.
Bah, on va aller en profiter pour aller recharger les... Ouais, bonne idée. Hop. On a retrouvé sur des brocantes un ancien stérilisateur et des très grandes casseroles en aluminium qui nous servent en fait à faire chauffer l'eau pour les douches. On vient chercher l'eau du ruisseau avec un thermomètre de salle de bain pour bébé. Et ça nous permet de faire chauffer l'eau au feu de bois. On se dirige vers le ruisseau. Alors il y a deux ruisseaux qui coulent sur le terrain. Un premier qui arrive par ici, sur lequel on vient puiser la plupart du temps de l'eau. Et ensuite, les deux ruisseaux, il y en a un deuxième qui est là-bas. Les deux se rejoignent pour finir dans ce petit bout de bois qui est là-bas, qui est un ancien étang d'ailleurs. Sur Google Maps, quand on regarde en vue carte, on voit qu'il y avait un étang par le passé. Alors l'eau est un peu terreuse, donc on la laisse décanter avant de s'en servir. Hop. Je dirais qu'on prend quoi, à peu près 10 litres d'eau par jour. Et voilà, la visite de leur petit chez-eux s'arrête ici. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Et je serais vraiment ravie de savoir combien d'entre vous seraient prêts à vivre de cette manière, c'est-à-dire dans la forêt avec le minimum vital. Dans un réel contact avec la nature. Bon, certes, ils sont super connectés, mais c'est parce que c'est notre boulot. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de la visite. Bisous, bisous, et prenez soin de vous.